Ça n'a pas été si long que ça, pas vrai? J'ai réparé les mémoires, et on peut retourner dans la simulation. Avec Abstergo à nos trousses, il faut agir vite. Tu ne peux pas me reprocher de vouloir avancer. Je ne te reproche rien si tu ne m'en veux pas de ce qui s'est passé. C'est juste que l'Atlantide n'est plus un secret maintenant. Essayons d'aller de l'avant, d'accord? Victoria, il faut que tu me fasses confiance. Je sais ce que je fais. Nous sommes des amis, Layla. Mais par-dessus tout, je suis ton médecin. Je ne peux pas ignorer ce que ton corps a subi là-dedans. Il y a vraiment quelque chose. Je vais bien, et je ne veux plus entendre de conseils de médecin. Ah, je crois que je ne m'y ferai jamais. Elle sort de nulle part. Ravie de te revoir. Je parie que même toi, tu n'avais pas vu venir cette attaque d'Abstergo. Pas exactement. Mais puisqu'ils ne sont plus là, si tu es prête, ton périple du bâton continue. Après un cliffhanger pareil au cœur de l'Élysée, tu parles que je suis prête à l'Étéia. Il faut que je connaisse la suite. En interagissant avec les visions du gardien dans l'Élysée, Alexios a échangé des connaissances avec le bâton, et par conséquent grâce à l'Animus. Toi aussi. C'est vrai que... je me sens plus forte. Garde la tête sur les épaules là-dedans. Bonne chance, Layla. De le mortel. Hadès. Le dernier mortel à avoir dansé avec Cerbère et à y avoir survécu a été Héraclès. Mais il avait le soutien indéfectible d'Athéna et d'Hermès. Dis-moi, qui te soutient, toi?
Quel dieu t'a aidé à tuer mon chien de garde? C'est ta femme qui m'a poussé dans une fosse, avec ton chien. Ma douce Perséphone t'a poussé vers ta mort. Et tu nous as tous beaucoup nui en ne mourant pas. Mon objectif n'était pas de me faire jeter dans ce trou, mais j'y suis. Qu'est-ce que tu veux de moi? Par ta faute, mon royaume est plus chaotique que jamais. Sans Cerbère, rien n'empêche plus les morts de rejoindre le monde des vivants. Alors trouve un autre chien. Toi, trouve-moi un autre chien! Je te prie de m'excuser. On a le sang chaud dans ma famille. C'est ta faute, tout ça. C'est à toi de t'en occuper. D'accord. Alors, dis-moi où tu gardes les monstres à plusieurs têtes. Que j'en ramène un. Non, 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 mon cher gardien. Mon domaine, mes règles. J'ai quatre portes. Au lieu d'un garde pour les quatre, je veux que tu en trouves quatre. Un pour chacune. Les enfers grouillent de rois, de héros, de légendes. Tous perdus à la recherche de quelque chose. Tu pourrais leur fournir ce quelque chose. Cerbère était un garde redoutable. Quel humain pourrait le remplacer ? Aucun humain, mais une légende, immortelle dans l'esprit des vivants, emplirait de terreur les candidats au passage. Trouve-m'en quatre. Et si je ne réussis pas à trouver de tels gardes? Les frontières entre le monde des vivants et le royaume des morts s'évanouiront. Les immondes créatures enfermées dans le Tartare seront libres. Des âmes mortelles erreront à jamais, et je serai très très mécontent de toi. Apprends-moi comment utiliser ce bâton, et j'accepte. Ah oui, les épreuves du gardien. On m'avait bien dit que tu ferais tout pour connaître les secrets de ta vilaine brindille. Cette vilaine brindille? Écoute-moi. Va voir Caron, mon passeur. Aide-le à rétablir l'ordre, et je t'aiderai à accomplir ton destin. Ah, tu vois ce que tu as fait. Il y en a partout, maintenant. Arrange ça. Oh, je vais le faire. Mon frère et moi avons lancé un petit pari à propos de ta réussite. Ne me déçois pas. Il ne fait pas bon être deux fois mon obligé.
C'est toi, le passeur ? Oui, et je suis très occupé. Quelqu'un a cru malin de tuer le garde de la porte, et je croule sous les arrivants en putréfaction. Alors, tant qu'un dieu n'aura pas colmaté les brèches et réglé le désordre entre les domaines, j'aimerais que tu me laisses tranquille. Il se trouve que je suis envoyé par Hadès. Qu'a fait un brillant mortel comme toi pour se retrouver en dette vis-à-vis du dieu des enfers ? J'ai... peut-être tué Cerbère. Eh bien, depuis la mort du gros chien d'Hadès, des failles se sont ouvertes un peu partout dans les enfers. Mes passagers sont attaqués par des prisonniers du Tartare et ses petits chiens. Écoute, il faut que je trouve 4 gardes pour les portes et que je referme les failles. Hadès a dit que tu aurais besoin de moi. C'est incroyable. Il envoie un mortel aux enfers régler un problème que seuls les morts peuvent résoudre. Que seuls les morts peuvent résoudre. Voilà pourquoi je me suis senti si faible face à ces choses. Le dernier mortel à avoir travaillé pour Hadès portait une armure spéciale, mais il s'est fait mettre en pièces. Et depuis, l'armure a été dispersée. Ma mère m'avait dit que mon chemin serait difficile, mais elle ne m'a pas préparé à ça. Et pour récupérer 4 de ces éléments, tu devras affronter de féroces guerriers. Quant au 5e, une paire de gantelets, on ignore où il est. C'est tout. Ce n'est pas la mort. Quelle est la particularité de l'armure dont j'ai besoin ? Forgée sur l'enclume de bronze tombée dans le Tartare, elle permet aux mortels comme toi de voir des choses qu'ils ne devraient pas voir, et de se rendre dans les lieux interdits. Ce qu'Hadès s'est bien gardé de mentionner. Ah, Hadès a ses raisons. Il est grand temps de remettre de l'ordre ici. Il te suffit de trouver des éléments d'armure, de vaincre des guerriers en colère et de trouver 4 gardes pour les enfers. Très bien. Puisque tu es nouveau ici, je vais te donner quelques conseils. La mare stérile, le champ de bataille éternel et le palais d'Hadès sont parfaits pour commencer. Et si tu as un peu de temps libre, je trouverai bien quelques travaux à te confier. Des empreintes de pas, trop petites pour être celles d'un adulte. Des poupées ? Aux enfers ? Qu'est-ce que c'est ? Un message ? Phoebe ? Phoebe, je croyais ne jamais te revoir. Tu es un dieu ? Phoebe, c'est moi, Alexios. Je suis bien contente de te rencontrer. Il est à toi, cet avis. J'aimerais bien avoir un aigle. Oui, je sais, Phoebe. Je sais. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je joue. Comment tu connais mon nom ? Je n'ai jamais pu oublier ton nom. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. Je ne me souviens pas de toi. Tu travailles pour celui qui n'a qu'un œil ? Qui ça ? Il m'a donné de cette eau alors que j'avais soif. Tu as bu de l'eau du Léthé. Phoebe, c'est très important. Il faut que tu te rappelles qui t'a donné ça. Je...
Je me souviens pas de son nom. Il m'a pris mon jouet. Tu avais un aigle, comme Icaros. Tu te souviendras peut-être si on le retrouve. Non, je me souviens de tout. Je crois. L'homme qui n'a qu'un œil n'aurait jamais dû te donner de cette eau, ni te prendre ton aigle. On va le récupérer. Le voler, tu veux dire ? On ne va pas le voler. Seulement, l'emprunter. Mais j'aime ta manière de voir les choses. Tu veux venir avec moi ? Tu veux que je parte à l'aventure avec toi ? D'accord. Alors, en route pour l'aventure. Tu me rappelles une petite fille que j'ai connue sur Kefalonia. Tu es déjà allée là-bas ? Non, j'ai toujours vécu ici. Elle était comment, cette fille ? Elle était... courageuse. Et futée. Elle disait que j'étais son modèle. Mais, en réalité, c'est moi qui l'admirais. Tu admirais cette petite fille ? Tu lui as dit ? Non. Je voulais, mais... je n'en ai pas eu le temps. Ah, elle l'a sûrement deviné. Elle a fini par quitter Kefalonia. À Athènes, où beaucoup de gens l'ont aimé, dont Périclès. Périclès, ce nom te dit quelque chose ? C'est un drôle de nom, comme si quelqu'un éternuait. Et Anthousa, tu t'en souviens ? Ceux qui l'ont connu sont incapables de l'oublier. Non, désolé. Bon, nous y sommes. Tu ferais mieux de rester là pendant que je vais chercher ton jouet. Même si cela ne lui rend pas ses souvenirs, nous en créerons des nouveaux ensemble. Mon aigle ! Je n'y serais jamais arrivé sans toi. Tiens, prends-le. Tu te souviens de quelque chose ? Alexios ? Oui, c'est mon nom. C'est bien, Phoebe. C'est bien. J'étais si seule. Abandonné. Mes parents, Marcos, Aspasia, même toi. Qu'est-ce qui va pas chez moi ? Je ne suis pas assez bien ? Mais si, tu es assez bien. C'était ma faute. Je t'ai entendu appeler mon nom. Mais le temps que je te retrouve, il était trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire ? Si tu me disais plutôt ce dont tu te souviens. Périclès était mourant. Tous ceux qui n'étaient pas malades devaient quitter Athènes. Je croyais que j'étais seule. J'étais toujours toute seule. Et ensuite... Je suis désolée, Phoebe. Je... Où sont les champs dorés ? Tu veux parler de l'Élysée ? J'ai été là-bas. C'était très beau. Mais je suis venue ici chercher mes parents. Tu as rejoint les enfers pour sauver ta famille. C'est très courageux. Comme quand tu as voulu trouver la tienne. Mais la mienne a toujours besoin de moi. Il faut que je la trouve. Phoebe, tu as subi beaucoup d'épreuves.
et tu n'as pas connu tes parents. C'est normal d'être nerveuse. Je l'étais, moi aussi. Je serais moins nerveuse si tu venais avec moi. Ce serait un honneur d'être à tes côtés quand tu rencontreras tes parents. Pitié, je l'ai déjà dit. Allez dire au Cyclope que la petite n'est pas là et sa famille non plus. Maintenant, reculez! Calme-toi. Nous ne te ferons pas de mal. Mais il faut nous dire ce qui s'est passé. Ces hommes ont suivi le Cyclope de Kefalonia dans la tombe. Et maintenant, ils le suivent aux enfers. Il les a envoyés chercher une gamine. L'homme qui n'a qu'un œil. Tu connais une petite appelée Phoïbé? C'est elle, Phoïbé. Oh, c'est toi. Petite, j'ai aimé tes parents autant que j'ai aimé les miens. Ils se sont cachés avec moi. Ils m'ont parlé de la grande guerrière Phoïbé qui a rejoint l'Élysée. Une guerrière, ils ont dit? À la mort de Cerbère, ils se sont lancés à ta recherche. Mais le Cyclope te cherche, lui aussi. Excuse-nous un instant. Je me souviens maintenant. L'homme qui n'a qu'un œil est le Cyclope. Il m'a obligé à boire de cette eau. Il a dû apprendre qu'on avait repris ton aigle et a voulu se venger. Qu'est-ce qu'on va faire? Les portes de l'Élysée sont ouvertes. C'est comme ça que tes parents sont passés. Je connais le chemin. Et elle? C'est une amie de mes parents. Je ne veux pas l'abandonner. Elle a l'air capable de se débrouiller seule. Les Kerr connaissent la magie et soignent ceux qui ont été blessés au combat. Elles vivent près d'ici. Je pourrais... Phoïbé. Je peux y arriver. Je ferai vite. Et ensuite, on ira dans l'Élysée chercher mes parents. Ah. Très bien. Mais ne traîne pas. Sinon, je viendrai te chercher. L'aigle de Phoïbé. Et où est-elle? Le porteur. Le Cyclope a dit. Dis-moi ce que vous avez fait à Phoïbé. Le porteur d'aigle. J'ai entendu le Cyclope dire que tu étais aux enfers, mais je n'arrivais pas à le croire. Je cherche une jeune fille. Elle s'appelle Phoïbé. Ils ont emmené une fille sur un de leurs bateaux, mais... Mais quoi? Elle ne bougeait pas. Dis-moi où ils sont partis. Je n'en sais rien, mais Caron est sûrement sur le quai, et personne n'appareille sans qu'il soit au courant. Pars tant que tu en as l'occasion. Je vais retrouver le Cyclope, et en finir pour de bon avec lui. Prends ça, en remerciement. Tu pourras payer Caron pour qu'il t'envoie à leur trousse sur le Styx. Caron, une prisonnière a dit que le Cyclope avait emmené une de mes amies sur le Styx. Oh, la jeune fille de l'Élysée ? Ils ont jeté son corps sans vie dans l'un de mes vieux bateaux. Mène-moi à elle. Quelle est cette chose que vous faites, vous autres mortels? Respirez? Oui, alors respire et explique-toi. Pas le temps de t'expliquer.
Tiens, je peux te payer. Largue les amarres. Très bien. Et pour tout te dire, je sais exactement où le cyclope de Kefalonia a emmené ta jeune amie. C'est une porte, et je pense que chacun de vous connaît cet endroit. Ah, merci. Maintenant, partons. C'est ma maison à Kefalonia. Comment est-ce possible? Phoebe! Phoebe! Comme on se retrouve. J'ai appris que vous nous aviez finalement rejoints, toi et la petite. Je n'allais pas laisser passer l'occasion de vous accueillir à la mode kefalonienne. Si tu lui as fait du mal! Du mal? Je te jure que je t'arrache ton autre œil! Et cette fois, c'est dans ton cul à toi qu'il finira, Cyclope! Personne ne m'appelle comme ça! Rends-le-moi! Essaie pour voir. Phoebe, non, 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 Ella, Ella. Gaïa, mère de toutes choses, je te salue. Pardonne-moi.
Alexios? Tu vas bien? Et toi? Tu es là. Je serai toujours avec toi, Phoebe. À jamais. Quoi qu'il arrive. Merci. Tu peux te lever? Ouf. Où est-ce qu'on est? Et où est le cyclope? Ne t'inquiète plus du cyclope. Et ceci est une porte vers l'Élysée. Alors si je passe par là, je trouverai mes vrais parents. Tu peux y arriver, Phoebe. En route. Je ne veux pas m'en aller. Tu n'as pas le choix, Phoebe. Ta place est auprès de tes parents. Non. Elle est auprès de toi. Je t'en prie, ne m'oblige pas à partir. N'aie pas peur. Moi aussi, je partirai quand j'aurai fini ce que j'ai commencé. Et je serai auprès de toi. J'ai retrouvé ça. Emporte-le, et pense à moi. Et si mes parents ne m'aimaient pas? S'ils ne t'aiment pas, c'est qu'ils sont idiots. Mais tu dois leur laisser une chance de t'aimer. S'ils ne la saisissent pas, tu te trouveras une autre famille, comme on l'a fait à Kefalonia. Ça va être impossible de t'oublier. Toi aussi, tu es ma famille. Je pourrais revenir ici pour te retrouver? Non. Une fois parti, tu ne pourras pas revenir. Mais un jour, d'ici très longtemps, je viendrai te voir et nous raconterons toutes nos aventures. Tu seras toujours ma famille, quoi qu'il arrive. Je crois que je suis prête. Phoebe, la guerrière qui a rejoint les champs dorés. Phoebe, qui s'est enfoncée dans les enfers pour sauver sa famille. Phoebe, la porteuse d'aigle. Je suis si fier de toi. De l'avant. Je t'avais dit qu'il ne laisserait pas la petite perdre ses souvenirs. À la place, il a insisté sur sa force et sa capacité à porter son fardeau. Remarquable. Yeah!
Alexios, je n'en crois pas mes yeux. Elpenor ? Les moires sont miséricordieuses. Ah, Mystios, tu es exactement la personne que j'espérais. C'est amusant. Toi, tu es le dernier que j'avais envie de voir. Certes, certes, nous nous sommes quittés en termes discourtois. Tu m'as envoyé assassiner mon père et tu as tenté de me tuer. Ce que je regrette aujourd'hui, amèrement. Le chaos qui règne ici aux enfers m'a montré à quel point j'avais tort. Assez discuté. Si tu veux que je croie que tu as changé, prouve-le par tes actes. Bien sûr, je ne m'attendais pas à moins. Quel désordre ! Elpenor, je compte sur toi pour nettoyer. Je m'en occupe à l'instant. Et tant que tu y es, cherche une solution définitive aux attaques de ce maquignon. Le maquignon est là, lui aussi ? Le maquignon s'est évadé du Tartare. Il poursuit l'œuvre du culte en recrutant d'autres prisonniers qui fuient par les failles. Je les ai vus. Ils savent se battre. On a capturé l'un d'eux, mais il refuse de dire où se cache le maquignon. Peut-être qu'en le menaçant... Qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'aider ? Je suis un proche, Thadès, et tu as besoin qu'il t'enseigne des choses sur ton bâton. M'aider, c'est aider Hadès. Il t'en sera reconnaissant, Alexios. Tout comme moi, bien sûr. Bien. Mais je le ferai pour moi. Par Zeus, non ! Encore toi, Elpenor ! J'ai assez entendu tes discours de lâche pour au moins deux existences. Il semble que nous ayons un point commun. Moi aussi, je déteste Elpenor. Vous avez pourtant l'air de bien vous entendre. Sauf que c'est moi qui l'ai envoyé ici. C'est un traître à la cause du maquignon. Dis-moi où se cache le maquignon, et je lui livrerai Elpenor en personne. D'accord, très bien. Si ça permet de ne plus t'entendre. Il se cache dans le temple perdu de Nyx. Mais vous ne réussirez jamais à l'abattre, crois-moi. C'est magnifique. Je traque le maquignon depuis l'apparition des failles. Mais il y a un souci. Le temple perdu de Nyx est derrière le voile. Le voile ? Depuis la mort de Cerbère, il s'est répandu dans les enfers. Le voile du Tartare a été créé pour contenir les mortels en vie, afin que seuls ceux qui ne peuvent se racheter puissent entrer dans la prison des damnés. Ce qui signifie que tu peux le franchir librement. Mais Caron a dit que j'aurais besoin d'une armure. Oui, l'armure du déchu. Heureusement, je pourrais peut-être t'aider afin que nous rejoignions ensemble le repère du maquignon. Tu veux qu'on attaque ensemble le repère du maquignon ? Bien sûr ! Combattre aux côtés du puissant porteur d'aigle ! Quel honneur ! Et puis, c'est aussi l'occasion de te prouver que j'ai changé. Caron m'a dit que les quatre éléments de l'armure étaient gardés par les déchus, mais que les gantelets étaient perdus depuis longtemps. Caron tente à confondre disparu et égaré. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à trouver les gantelets. Retrouve-moi au trésor de Chronos. Alexios, content que tu sois venu. J'ai longtemps hésité, crois-moi. Je gagnerai ta confiance, tu verras. Cette porte va nous mener au trésor de Chronos, où se trouvent les gantelets que tu cherches. J'ai la clé sur moi. Si tu veux que je te fasse confiance, il va falloir être franc avec moi. D'où tiens-tu cette clé ? Hadès m'a déjà chargé de nettoyer le trésor. Ce n'est pas très malin de voler les titans. Les titans n'existent plus. Il n'y a aucun mal à employer leurs outils pour en finir avec le maquignon. Comme ça, tu fais le ménage pour Hadès, maintenant ? J'aime travailler pour lui à l'occasion, voilà tout. Considère-moi comme son élève. J'ai du mal à imaginer Hadès en mentor. Tu es très loin de tout savoir à propos d'Hadès. J'aurais besoin de ses gantelets pour attraper le maquignon. J'en suis conscient. Par conséquent, je te servirai de guide particulier dans le trésor. Réglons cela au plus vite, d'accord ? Bien sûr, Mystios. Tout ce que tu voudras.
Il doit être possible de dégager le passage depuis l'autre côté. Bien joué. Dégage la voie que je puisse te rejoindre. Ça ne bouge pas. Parfait. Maintenant, direction le trésor. Quelque chose bloque. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Le trésor de Chronos. Il y a caché toutes ses possessions hors du regard des fils qui, selon la prophétie, devaient l'éliminer. C'était mon histoire préférée quand j'étais petit. Tous les mythes, toutes les épopées qu'on nous a contées au fil des générations étaient réelles. Ils se déroulaient sous nos pieds. Et aujourd'hui, nous jouons parmi les dieux, ensemble. Trouvons ces gantelets. D'accord ? Par ici. Ces gantelets m'aideront à franchir le voile. Merci pour ton aide. Oh, ce fut un plaisir. Très bien. Fichons le camp d'ici. Espérons que personne ne me remarque. Tu es magnifique. Maintenant, laisse-moi te présenter mon plan pour attraper le maquignon. Très bien. Écoutons ça. Bien, parfait. Je vais distraire les prisonniers pendant que tu fonceras sur le maquignon. Il ne doit pas s'enfuir. Quand tu l'auras battu, amène-le au gouffre le plus profond du Tartare. Pour y parvenir, tu devras franchir les entrailles de Gaïa. Les entrailles de... Bon, peu importe. Allons-y. Maquignon, aussi laid, or que vivant. Ne t'en reviens pas que tu travailles avec cette méduse stupide. Elle vient. Alors, quoi ? Tu as besoin que les Étaïrs viennent se battre à ta place ? Cette fois, je vais te mettre en pièce ! Hadès veut que tu regagnes le Tartare, ta vraie place. Hadès s'en va les testicules. Tu ne peux pas anéantir le culte. Tu vas crever. Ah!
la première fois que je t'ai tué ? Pénor attend de recevoir ta tête. Nous nous complétons. Au début, j'ai craint que tu ne respectes pas le plan, compte tenu de ta méfiance envers moi. Tu oses me faire des reproches ? Le culte et toi avaient détruit ma vie. Je comprends. Mais avoue que j'ai changé. Que j'essaie, dans la mort, de rattraper les erreurs de ma vie. J'ai besoin de ton approbation pour continuer. J'en ai plus qu'assez de toi et de tes mensonges. Je trouve toujours agréable de battre deux fois un même adversaire. Pas toi ? Sois plus modeste, mon frère. Il l'a déjà envoyé dans le gouffre. Tu as gagné ton pari. Elpenor, un jouet bien inutile. Je pensais qu'Elpenor était à ton service. Elpenor n'était qu'un moyen de prolonger ton bien plus intéressant périple. Cela veut dire que tu vas m'en apprendre davantage sur le bâton ? Patience, gardien. Quelques rebondissements t'attendent encore, et j'ai hâte de voir comment tu tiendras ton rôle. Tu as fait d'Elpenor une épreuve pour moi. Presque, mais les Moires se sont montrés bien plus habiles en traçant ton chemin. Qu'est-ce que tu veux dire, Hadès ? Tu le sauras bien assez tôt. Qu'est-ce qui se passe ici ? Un désastre ! Pas moyen de passer une journée tranquille à convoyer les morts. Dis-moi ce qui est arrivé. Toutes ces âmes se sont fait voler leurs pièces. Alors, il faut que tu trouves le voleur, et que tu rapportes ces pièces pour que les morts traversent le Styx. Pourquoi tu ne les laisses pas passer ? Je sais que tu viens d'arriver, mais il y a des règles aux enfers. Et Hadès me ferait rôtir un orteil, et pire encore, si je les laissais passer sans payer. Très bien. Je vais trouver ce voleur. Vous avez entendu, vous autres ? Mon assistant va retrouver ce voleur. Est-ce que tu soupçonnes quelqu'un ? Il passe tellement de monde ici, et ma foi, vous vous ressemblez tous. Allez, quoi. Réfléchis. Bien, un marchand et un homme politique agissaient étrangement. C'étaient les seuls à ne pas prendre d'assaut le quai. Je reviendrai dès que j'aurai du nouveau. À ta place, je commencerai par le passage des âmes. C'est là qu'on a volé les premières pièces. Bonne chance. Avec tous les voleurs qu'il y a aux enfers, j'en aurai besoin. Ah ! On dirait que quelqu'un a enfoui quelque chose ici et est revenu le chercher. Il était pressé, apparemment. Des bourses vides, et les cordons ont été coupés. Comment pourrais-je retrouver quoi que ce soit dans ces terres désolées ? Je parie que tu cherches les pièces qu'on t'a volées. Comment le sais-tu ? C'est toi qui les as prises ? Tu viens admirer tes méfaits ? Non, je cherche le voleur. Mais si c'est comme ça que tu m'accueilles...
D'accord. De toute manière, je ne vois rien ici. Tu dois bien te rappeler le dernier moment où tu avais tes pièces. Bien sûr que je m'en souviens. Je marchais dans la vallée, avec les autres, et je discutais avec un marchand. Quelle arrogance! Il avait toujours ses bijoux et son or. Pour ce que ça lui servira ici. En arrivant au quai, je n'avais plus mes pièces. Quelque chose a attiré ton attention? Le marchand à qui je parlais, il avait l'air nerveux. Il demandait s'il fallait vraiment payer le passeur. Peut-être qu'on lui avait déjà volé ses pièces? Je crois que j'ai ce qu'il me faut. Tu ne ressembles pas aux gens que je vois passer par ici d'habitude. Je ne suis pas mort, si c'est ce que tu veux dire. Je cherche quelque chose. Alors on est deux. Je cherche les pièces que j'ai perdues. Elles devraient être quelque part par ici. Quand les avais-tu pour la dernière fois? Je me rappelle avoir erré avec tous ces gens. On allait tous vers le quai. Je ne me souviens plus d'où on venait. Mais en arrivant à cet endroit, la foule s'est arrêtée parce qu'un homme, un politicien je crois, s'est mis à nous parler. Tu as vu quelque chose d'étrange pendant ton voyage? J'ai remarqué l'homme politique. Il s'éloignait du quai, alors que tout le monde y allait. Je dois partir. Je te souhaite bonne chance. Une dague. Apparemment précieuse. On a dû s'en servir pour s'emparer des pièces. Tu as des nouvelles de mes pièces? J'ai trouvé cette dague. Elle te dit quelque chose? Ah oui! Je l'ai senti qui me touchait quand on a coupé les cordons de ma bourse. Et tu as vu qui la tenait? Non, je n'ai rien vu. J'étais trop occupé à écouter l'homme politique. Il était captivant. Je crois que j'ai ce qu'il me faut. Un bracelet en or. Mais il est cassé. Cela a dû se faire pendant que son propriétaire creusait. Enfin! Je commençais à croire que tu t'étais perdu. J'ignorais que vous puissiez vous inquiéter, tout était pareil. Il y a beaucoup de choses que tu ignores à notre sujet. Notre impatience, par exemple. Tu as découvert qui a volé les pièces? Bon. Les morts ont été volés pendant qu'un homme politique faisait un discours. Un témoin l'a trouvé suspect parce qu'il se promenait parmi la foule, en s'éloignant du quai. Ah oui. Même moi, je l'ai remarqué. Mais un riche marchand a posé des questions à propos du péage. J'ai trouvé une belle dague qui a dû servir à voler les pièces. Et un bracelet en or près du trou où on a caché les pièces. Le mystère s'épaissit. C'est le marchand. C'est lui, le voleur. Un marchand cupide, c'est classique. Viens, allons nous occuper de lui. Qu'on en finisse. Comme ça, c'est toi qui prenais les pièces de ces gens. C'est insensé. Personne ne devrait avoir à payer pour entrer aux enfers. Épargne-moi tes beaux discours. Tu as volé parce que tu es cupide. Ces gens n'avaient rien dans la vie. Ils n'ont besoin de rien dans la mort. Si je ne peux pas avoir une vie confortable, personne n'en aura. Hadès, quel plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène sur ma berge? On peut entendre ce vacarme depuis les entrailles du Tartare. Qu'est-ce qui se passe ici? Cet homme volait les pièces des morts et les jetait dans le Styx. Les mortels ne cesseront jamais de me surprendre. Je suis ravi que tu trouves ça drôle, mais ces gens avaient de quoi payer leur passage et ce n'est plus le cas. S'ils n'ont pas de quoi payer, ils ne peuvent pas rejoindre mon domaine. Telle est la règle, Caron. On les a envoyés ici avec des pièces comme le prévoit la règle et la coutume. Ils méritent qu'on les laisse passer. Et si nous laissions notre ami décider de leur sort? On a volé à ces gens leur chance de trouver la paix. Ils méritent de passer. Bien dit, Alexios. Ils se verront accorder le passage vers les enfers. Et celui-là? Donne-le à tes chiens s'ils en veulent. J'espérais que tu dirais ça. Ah.
Il faut parfois faire des choix difficiles. Il est rare que des personnes comme toi le fassent avec autant d'assurance. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière. Je suis fier de toi. Pour un mortel, tu as de la ressource. Bon, maintenant qu'Hadès n'est plus là, voilà quelque chose pour toi. Merci, Caron. Quel dommage que tu sois contraint de partir. Tu m'as été d'une grande aide. J'espère que tu trouveras les réponses que tu cherches. Brasidas! À ton tour, soldat! Brasidas, c'est moi, Alexios. Comme quelqu'un que j'ai connu. Nous avons combattu côte à côte quand Cléon et les Athéniens ont débarqué à Amphipolis. Tu ne t'en souviens pas? Nous avons lutté ensemble. La victoire était proche, mais... Tu as été tué. Deimos. Ensuite, il n'y a eu que les ténèbres. Alexios? Je suis heureux de te voir, mon vieil ami. Ami? Des amis se protègent mutuellement, mais tu n'as jamais pensé qu'à toi. Mes besoins et ceux de la population ne t'ont jamais effleuré l'esprit. Je t'ai déçu, je le sais. J'ai essayé de me rattraper à Amphipolis, mais je n'ai pas réussi à te sauver. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Non, pas encore, du moins. J'ai reçu un bâton de mon père. Mon vrai père. Il a des pouvoirs. J'ai été envoyé aux enfers pour apprendre à les utiliser. Des pouvoirs? C'est une longue histoire. Mais j'ai parcouru tout l'Élysée à la recherche de réponses. Ma quête m'a conduit ici. Tu es allé dans l'Élysée? Honore les dieux. Honore Sparte. Respecte ta parole et tu gagneras l'Élysée. C'est ce que m'a dit mon père quand j'étais enfant. Et depuis, j'ai toujours vécu selon ses règles. Malgré cela, dans la mort, je suis condamné à ceci. Si quelqu'un parmi mes frères d'armes mérite le paradis, c'est bien toi. Alors qu'est-ce que je fais ici ? Tu devrais en discuter avec Hadès. Mais c'est le choix d'Hadès. Il dit que je pourrais rejoindre l'Élysée à une condition. Affronter ma plus grande ennemie. Deimos. Deimos. Brasidas, pour l'affronter, tu ne devrais pas l'attendre ici. Pourquoi? Deimos est en vie. Hadès t'a trompé.
Peu importe. Elle finira par se montrer. Que t'a révélé Hadès exactement? Il a dit, pour arpenter l'Élysée dans la mort, le fils de Sparte doit affronter ce qu'il a vaincu dans la vie. Les dieux et leurs maudites énigmes. Ils ne peuvent jamais parler clairement. Mais je crois que j'ai déjà résolu ton premier souci. Tu peux préciser? Un authentique fils de Sparte n'affronterait jamais un ennemi sans son bouclier. Il faut retrouver le tien. Il est dans le sépulcre oublié. J'ai tenté de le reprendre, mais Hadès a envoyé les gardes défendre le tombeau après qu'un Malaka a tué Cerbère. Ce Malaka, c'était moi. Et maintenant, je suis obligé de travailler pour Hadès. Ça ne m'étonne pas. Tu as rendu la situation assez... compliquée. Je n'ai pas été là pour toi quand tu étais en vie. Laisse-moi être ton ami maintenant. Le courage me manque aux enfers. Au fond de moi, j'espérais ne pas avoir à affronter de nouveau Deimos. À l'instant où tu auras ton bouclier en main, tu te sentiras comme avant. Assure-toi de ne prendre que le mien, si jamais tu en rapportes un autre. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Trois boucliers. Bon, lequel est celui de Brasidas? Le bouclier de Brasidas. Ton bouclier, général. Je n'oublierai jamais le jour où on me l'a remis. J'étais enfant. Il était aussi haut que moi. Mon commandant a dit, le tenir, c'est tenir Sparte. Si tu le lâches, tout le royaume tombe. À quoi ressemble l'Élysée? Pas à ce que tu imagines. Il... Tu sens ce froid? L'Élysée est d'un ennui. Beaucoup moins depuis ma venue. Ah oui. Tu as un don pour mettre de l'animation partout où tu passes. Bah, tu rêves toujours du paradis, je vois. Eh bien, personne ne souhaite plus que moi que tu aies ce que tu mérites. Je suis heureux que vous vous soyez trouvés. On a tous besoin d'un peu d'aide de temps à autre. Bien, tu as ton bouclier. Es-tu prêt à affronter ton adversaire? Je le suis. Ne regarde pas, Brasidas. Hadès cherche à t'atteindre. Ça faisait longtemps, Brasidas. Viens, rencontre ton destin. Je n'ai pas peur de toi, Deimos.
Qu'est-ce que... Un plus grand ennemi t'a vaincu, bien avant que Deimos ne te tue. Deimos bénéficiait de la fureur des dieux. Et malgré sa victoire initiale, tu n'en as tiré aucune leçon. Ce n'était pas de l'orgueil. J'ai combattu pour l'honneur. Tu as fait la fierté de Sparte ce jour-là, Brasidas. Tu as fait honneur au serment de ton père. Peut-être pas. Un Spartiate doit faire confiance au guerrier qui est à son côté. Cette fois, nous combattons ensemble. Tu me fais un grand honneur. J'appréciais de combattre à nouveau auprès de toi. Je crois qu'il est temps de nous dire adieu. Très bien! Les lances étaient une idée de mon frère. Poséidon peut parfois se montrer cruel. J'ai fait ce que tu voulais! Tu m'as promis l'Élysée! Pas tout à fait. Mais tu avais dit... J'ai dit que pour arpenter l'Élysée dans la mort, le fils de Sparte devait affronter ce qu'il a vaincu dans la vie. Et tu ne l'as pas encore fait. Je sais, je sais. C'est difficile à comprendre pour vos pauvres esprits de mortels. Et c'est pour cela que je vais vous aider. Pourquoi ces jeux? Pourquoi ne pas le laisser partir? Parce que l'éternité est très longue. Ce n'est pas très drôle de te laisser partir. Tu comprends? Trouvez la forêt d'Oïsis. Les morts t'indiqueront le chemin. Les morts montreront le chemin? Quel chemin? Je ne veux pas vous gâcher la surprise. Il va falloir... me faire confiance. Viens, Brasidas. Plus vite ce sera réglé, plus vite tu pourras quitter cet endroit. Ah, je t'attendais. Qui es-tu? Je suis Lileira, et tu es Brasidas. Général, conquérant, héros. Hadès m'a envoyé à toi. Alors tu viens enfin nous réunir, mon amour et moi. Caron nous a transportés,
mais nous avons été séparés. Amène-moi, mon amour, et je te dirai tout ce que je sais. Où dois-je me rendre? Il y a une grotte entre les bassins soufrés et le village des condamnés. C'est là qu'est mon amour. Si c'est ma tâche, je vais y aller. Ah, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est cet endroit? Le berceau des enfers. On y trouve ceux qui ont péri trop tôt. Les morts ne peuvent y entrer. Les morts ne peuvent pas, hein? Eh bien, voyons ce qu'il en est des vivants. D'où peuvent venir ces cris? Tant de morts dans ces urnes. C'est un cimetière. L'urne d'un nourrisson. Oh. Son amour était son enfant. Alors, qu'as-tu trouvé? Des cendres. Son amour était un bébé. Pourquoi Hadès veut-il que tu rapportes les cendres d'un enfant? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu lui as fait? Le passé a été trop pesant pour lui. Brasidas, parle-moi. Je ne peux pas. Je t'en prie. Je sais que tu as souffert. Et que tu souffres encore. Dis-moi ce qui s'est passé, et nous te laisserons. Notre village est invisible avant la venue des Spartiates. Mon mari n'était pas un guerrier. Il avait tout d'un Athénien. Notre contrée était occupée par Athènes. Nos hommes avaient été formés et avaient reçu des armes et des armures en cas d'invasion. Nous pensions qu'un tel jour n'arriverait jamais. À l'issue de la bataille, les Spartiates ont déferlé dans le village, ivres de victoire et de sang. Ils ont incendié nos maisons. Ton mari m'a attaqué dans la rue. Il protégeait son village, sa famille. Mais Brasidas a tué mon mari. Et quand j'ai essayé de le protéger, il m'a violemment blessé. Mon amour n'a pas survécu à la chute. Je ne savais pas. Alors, nous l'avons surnommé Brasidas le Boucher. Il a massacré les miens, et il m'a tout pris. J'ai trouvé l'épée de mon mari, et j'ai mis fin à la douleur. C'est la vérité? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sparte donne des armes à ses enfants, et leur dit que tenir son bouclier, c'est tenir Sparte. C'est cet honneur spartiate qui a détruit ma famille. Viens, Brasidas. Laissons cette femme tranquille. Honore les dieux. Honore Sparte. Respecte ta parole et tu gagneras l'Élysée. J'ai fait le serment de protéger les innocents, et je l'ai trahi. Tu crois toujours mériter d'arpenter les champs du paradis?
boucher? Ne l'appelle pas comme ça. Pourquoi? J'ai bien ce que fait tout le village de cette femme. Enfin, ce qu'il en reste. Vous, les Spartiates, adorez les incendies. Tu n'as pas répondu à ma question. Un mot de toi, et tu rejoins l'Élysée. Aide-moi, Alexios. Je ne sais pas quoi faire. Brasidas, tu as été un ami sans pareil. Mais après avoir entendu le récit de cette femme, si j'avais fait de telles choses, je resterais pour racheter mes actes. Je veux rester. Ma place n'est pas dans l'Élysée. Il est réservé aux hommes d'honneur. Et après tout ce qui s'est passé, j'ai compris que j'en étais dépourvu. J'ai perdu ma place au paradis. C'est là ta décision. Parfait. J'ai une tâche qui te conviendra. Tu as désormais accès au berceau, Brasidas. Tu passeras l'éternité à réunir ceux qui ont été séparés par la guerre. Acceptes-tu ce sort? Je l'accepte. Bien. Maintenant, fais tes adieux. Merci pour tout ce que tu as fait pour ce vieux guerrier. Merci d'avoir été un ami. Adieu, Brasidas. J'ai eu plaisir à te revoir. Tu as toujours su qu'il allait rester, n'est-ce pas? Disons que je le pressentais. Tu sais ce qu'il y a de pire que la mort? Une éternité sans jouets. Il n'y a rien de plus prévisible qu'un Spartiate honorable. Voilà Alexios, le visage chatoyant de victoire. Où est ton frère? Il n'y avait pas un pari entre vous? Il a déjà été réglé. Il a perdu. Les portes ont des gardes, les âmes perdues de Charon ont trouvé la paix. Bon, dis-moi ce que tu sais sur le bâton. Je ne t'ai jamais promis cela. Je n'ai parlé que de ton destin. Mon destin est de maîtriser ce bâton. Et tu vas me montrer comment. Tu n'es pas et n'as jamais été en position de marchander. Ta vie m'a appartenu dès que tu as tué Cerbère. J'aurais pu demander à n'importe qui de poster des gardes à ses portes. Mais il fallait que tu t'habilles. De quoi est-ce que tu parles? Oh, je ne t'ai pas dit. Il y a une cinquième porte, et tu vas passer le reste de l'éternité à la protéger. C'est ça, ton destin! Je ne me suis pas soumis à ta femme, et je ne me soumettrai pas à toi! Oh, que si tu vas te soumettre! Ah!
qu'il en soit ainsi. J'aurais fait un superbe ajout à ma collection de... Je ne suis pas mort! Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu agis comme si tout ça avait de l'importance. Mais où que tu sois, tu es un captif. Qu'est-ce que tu as fait? Hé, hey, tout va bien en bas? Coupe la liaison! C'est aller trop loin. Ça suffit, j'arrête. Je peux y arriver. Tu n'es plus toi-même. Et toi, tu fais l'enfant. Regarde-toi! Tu ne vois pas ce que le bâton est en train de créer? Te connecter aux mémoires de Deimos. Te promener dans les enfers. C'est l'effet de transfert. C'est en train de te bouffer. Il faut que tu arrêtes. Rends-le-moi, tout de suite. Non! C'est le bâton ou moi. Il va falloir choisir. Lâche ça! Ça n'en vaut pas la peine! C'est pour ton bien! Debout, Victoria! Il doit y avoir une erreur. Non, non, c'était un accident. Je le jure. Je sais pas ce qui m'a pris, L'héritière des souvenirs n'aurait jamais fait ça. Fait ça? Victoria était mon amie. Ce n'était pas moi. Cela ne va pas. J'ai besoin de temps. Tu crois que je l'ai fait exprès? C'était le bâton, Aletheia. Je ne suis pas comme ça. Je ne tue pas. L'héritière des souvenirs de ma vision savait raisonner. Ta réaction a été purement viscérale, presque animale. Je crains que ce que j'ai créé pour toi ne puisse rien t'apprendre. Je suis l'héritière des souvenirs. Je peux contrôler le bâton. Écoute-moi. Je sais que j'en suis capable. Ce n'est pas à toi d'en décider. Moi seule juge ta valeur, même s'il est peut-être déjà trop tard. Très bien. Je vais m'absenter un moment. Mais veille à ce qu'il ne lui arrive rien, d'accord? Et ne pars pas. S'il te plaît, je vais revenir. Je n'irai nulle part. Sans. Désolée, Victoria. Mais il faut que je continue.